le thème dans les accords de Fly Me to the Moon. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il commençait par la tierce aiguë. Tierce aiguë du La mineur. Vous descendez une partie de la gamme de La mineur. On arrive sur la tierce de Ré mineur, tiens. Tierce, tierce. Intéressant. Sol 7. Souvent, je fais le bémol 9 par réflexe, mais là, il faudrait pas. Donc, ne le faites pas. Ce serait un vrai sol 7. Parfois, on fait 5 plus 9 aussi. Vous entendrez ça, c'est super beau. Vous faites passer le do 7 là-dedans, puisque la note doit tenir. Donc, on refait cette ligne. Le Fa, il est juste dessous. On est chopé votre Si mineur bémol 5 comme ça. Mi 7 bémol 9, c'est comme un Fa diminué. Je refais le Fa. Tierce encore du Fa. Tierce du Si mineur bémol 5. Tierce du Mi 7. Tierce du La mineur. Tierce du La 7. Super, c'est que les tierces qui sont mises en valeur. La tonique pour une fois. Tombe un peu à plat hein, pour d'un coup, mais c'est pas grave. Tonique. Sol 7, j'ai fait 9, 5 plus là, mais bon. Alors là, on va garder la même note à l'aigu pour les quatre jolis accords. Un plan, ça peut être ça aussi. C'est pas obligé que ce soit des traits en sextolé à 8000 à la noire. Donc on a fait vous avez sous votre ré mineur la tierce ici et la quinte tout en bas. Deux fois quasiment la même mélodie. Sur le 2-5 qui va arriver, donc c'est ce qui donne envie de faire, c'est de tricoter un peu notre 2-5 là. Et de retomber quand même sur le B. La fin. Sur la tonique du Do à la fin.